heures du match, je me lève, la tête lourde pour pas me faire tricard. Je cache mon sac, je vais ce qu'il est court. Comme d'hab, j'ai le barreau au matinal. Après de sortie du pieu, je roule un petit spliff amical. Me reste du temps avant mon rencard. J'ouvre la fenêtre et les volets, je vois que le temps est bancal. Une petite douche, un coup de rasoir. Et puis merde, pas le temps de refaire la poule à 7, je ferai ça plus tard. Je descends les marches de chez moi, tranquille. Y'a une vieille qui remonte ses courses à la main. Je m'en fous, je l'esquive. Mon pote Moussa me prend en gauve. Au pied du bat, on va se prendre un petit carreau au PMU d'en face. S'il te plaît. Un coup de fer retentit, ça pue les histoires à plein nez, viens on se casse d'ici. A plus refrais, je m'arrache et prends le taxi. J'ai RTV sur les champs pour un passe-passe où je prends Yébi. Dans ma poche, mon Black B vibre. Je décroche, c'est mon rencard de midi et demi. Alors mon pote, j'suis déjà là, j'ai pris un peu les devants. J'compte sur toi, ça vient à l'heure, vu que j'ai très peu de temps. Pas de soucis, bye bye, j'te dis à tout de suite. J'ai pas confiance, alors j'hésite pas de craquer la puce. J'arrive au point de rendez-vous, il m'a l'air froid du regard. Quoi qu'il arrive, j'ai mon bout de métal sur le trois quarts. Un peu le temps d'un salut, qu'on fait le passe-passe. Et hey, tu te foutrais pas un peu de ma gueule, il manque un peu de cash. Hein. Et comment ça, tu veux me la mettre? Allez, prends ça, je le braque avec mon feu, le faux sol et le vaccin. Et sous le t-shirt, tu petit bâtard, avait un micro, à peine le temps de m'arracher. J'avais déjà le keuf sur le dos, main en l'air, pose ton arme. Blah, je me fais plaquer, je suis mort, j'avais du sursis. En plus, j'ai le sac chargé. En ouverture de ce journal, une information de dernière minute vient de tomber. L'arrestation d'un adolescent de 16 ans, avenue des Champs-Élysées, suite au démantèlement d'un réseau spécialisé dans le cannabis qui s'étendait jusqu'au Maroc. Il suffit d'un mauvais geste, d'un mauvais choix, d'un mauvais sort pour que nos vies changent de trajectoire. Mais elles ne tiennent que sur un fil. Si j'avais su que ça basculerait, j'aurais tout changé si j'avais pu. Il suffit d'un mauvais geste, d'un mauvais choix, d'un mauvais sort pour que nos vies changent de trajectoire. Mais elles ne tiennent que sur un fil. Si j'avais su que ça basculerait, j'aurais tout changé si j'avais pu. 9h du mat, je me lève, la tête lourde pour pas me faire tricard. Je cache mon sac, je fais ce qu'il est court. Comme d'hab, j'ai le barreau matinal. Après de sortie du pieu, je roule un joint peu amical. Me reste du temps avant mon rencard. J'ouvre la fenêtre et les volets, je vois que le temps est bancal. Petite douche, un coup de rasoir. Et puis merde, pas le temps de refaire la poule à 7, je ferai ça plus tard. Descends les marches de chez moi, au pas de course. Y'a un vieux qui remonte tellement que je descends speed. Ah, je lui fous la trouille. Mon pote Moussa me prend en Touareg. Au pied du bloc, on se pose au PMU. Un petit café avec une cloque. J'ai que bleh. Un coup de feu retenti, ça devient chaud. Déjà que la veille, une balle avait touché un petit. Ok, vas-y, refrais, on bouge, on a des choses à faire. Paraît-il que j'aurais tiré sur le type hier. Dans ma poche, mon Black B vibre. Un 06 que je connais pas, je décroche, tant pis. Allô, c'est qui? Ouais, c'est les mecs qui vont tirer dessus. Et pour qui tu prends, je veux du flingue sur un petit genou. Mais ferme ta bouche, j'ai rien à voir avec cette histoire. Ça tombe bien, je voulais qu'on se voit. Vas-y, viens qu'on se donne rencard. Ok, RTV après le stade, près du square. On va débrouiller en équipe et on va régler ça. À peine les pieds sur les lieux, nous voilà face à face. Il a déjà son arme à la main, il veut niquer ma race. Et comment ça, tu craches ton feu sur le petit ray? T'as pas pigé au coin, c'est pas moi qui a fumé ton frère. Ça part en vrille, il parle mal, je lui parle mal. Il veut rien entendre, il me braque donc je le braque moi. Qui va tirer sur qui va coucher qui? Blah, j'ai pris une balle, j'aurais pas dû venir si j'avais su. Flash spécial, suite aux affrontements de deux bandes rivales, un jeune de 16 ans a été abattu en Seine-Saint-Denis. C'est le second homicide du même type dans le même quartier en moins d'une semaine. L'enquête suit son cours. Il suffit d'un mauvais geste, d'un mauvais choix, d'un mauvais sort pour que nos vies changent de trajectoire. Mais elles ne tiennent que sur un film. Si j'avais su que ça basculerait, j'aurais tout changé si j'avais pu. Il suffit d'un mauvais geste, d'un mauvais choix, d'un mauvais sort pour que nos vies changent de trajectoire. Mais elles ne tiennent que sur un film. Si j'avais su que ça basculerait, j'aurais tout changé si j'avais pu. 9h du mat, je me lève, la tête lourde. J'ai peu dormi cette nuit, j'ai révisé mes cours. Comme d'hab, j'ai le barreau matinal. Après de sortie du pieu, je fais ma petite salade matinale. Il me reste du temps avant mon examen. J'ouvre la fenêtre et les volets, je vois que le temps est bancal. Une petite douche, un coup de rasoir. Et puis merde, pas le temps de refaire la poule à 7, je ferai ça plus tard. Descends les marches de chez moi, tranquille. Je donne un coup de mort, remonte tous les courses à la petite dame du dessus. Mon pote Moussa me prend tes max au pied du bat. On va s'acheter un paquet de clopes au PMU d'en face. S'il te plaît. Un coup de feu retentit. Obligé, c'est les petits en train de faire un coup tordu. Vas-y, refrain, bouge, tèche-moi devant le tromé. J'ai RTV à la chapelle où je dois passer mon bac en frais. Dans ma poche, mon Black B vibre. Numéro masqué, y'a Crico qu'appelle en inconnu. Allô, refrain, j'ai besoin de toi, y'a un bif à prendre. Ça pourra peut-être te permettre de t'acheter une allemande. Oublie
mais moi j'ai mon examen, j'ai envie de réussir. J'en ai marre de galérer, j'ai envie de faire ma vie. Il est 10h exactement, c'est l'heure de l'examen. J'ai bossé dur pour réussir, il faut pas que je lâche. À nos plumes, le temps de retourner les questionnaires. À cet instant même, j'ai une pensée pour mon père et ma mère. Les surveillants nous yeux pour éviter la triche. T'inquiète, je vais leur montrer qu'un jeune d'en bas, c'est aussi faire la diff. Sous le t-shirt, j'ai le cœur qui bat à vive allure. Je me suis défoncé, j'en sors souriant, je me rassure. Les résultats dans la boîte aux lettres. Un mois plus tard, mes parents me prennent dans les bras, me disent qu'ils sont fiers de moi. Et pour clôturer cette édition, nous tenons à adresser nos félicitations à un jeune de 16 ans, issu d'un quartier défavorisé, ayant obtenu son bac avec mention très bien. Il suffit d'un mauvais geste, d'un mauvais choix, d'un mauvais sort pour que nos vies changent de trajectoire. Mais elles ne tiennent que sur un film. Si j'avais su que ça basculerait, j'aurais tout changé si j'avais pu. Il suffit d'un mauvais geste, d'un mauvais choix, d'un mauvais sort pour que nos vies changent de trajectoire. Mais elles ne tiennent que sur un film. Si j'avais su que ça basculerait, j'aurais tout changé si j'avais pu.